Bonjour tout le monde, ici Firax Film et bienvenue pour un nouveau Let's Play. Aujourd'hui, vous êtes là pour BioShock Infinite épisode 1, donc en ma compagnie même. Et donc, pour ce Let's Play, je vais essayer d'améliorer évidemment que le dernier, donc c'est mon deuxième, après Thief 4. Mais évidemment, j'ai fait des Let's Play sur Minecraft, mais je crois que ça compte pas vraiment. Parce que voilà, c'est ça, Minecraft, on réussit toujours à trouver quelque chose à dire à propos de ça, tandis que d'autres jeux, ben voilà, des fois on n'a rien à dire. Puis là, ben, c'est ce qui est le plus difficile, c'est d'essayer de meubler le silence. Et c'est ce que je vais faire avec brio. En tout cas, que je vais essayer. Donc vous me direz si le son est assez fort. Je vais peut-être pas. Bah, peut-être enchaîner deux. Mettons deux épisodes là, parce que ça va pas être trop chiant. Mais j'ai baissé la musique quand même pas mal. C'est pour essayer de faire à nouveau, là. Je sais pas si vous comprenez. J'ai foutu changer toute la qualité graphique aussi, puis les trucs de même. Peut-être même les effets spéciaux, les baisser un peu le son. Là, il était au max, c'est. J'ai baissé comme les crisses. La musique, parce que c'est le fun. Puis le dialogue, ben, pour les entendre aussi. Mais où je vous ai mis les sous-titres aussi, fait que c'est pas si pire. Sinon. Donc, ça a l'air vraiment très sympathique comme jeu. Ce qui paraît, c'est vraiment débile. Et donc, nouvelle partie, bien sûr. Je vais prendre le moyen, hein. Vous connaissez un peu les FPS, oui, j'en ai joué un peu. Pas beaucoup sur l'ordi, par contre. Mais on va faire avec, hein. FPS, je suis plus Xbox, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez, on fait avec, hein. Ok. Hooker, est-ce que vous craignez Dieu? C'est vraiment trop fort. Non. Mais je te crains toi. Lol. L'esprit est gagné dans pas d'espérance. Dis-moi, tu vas rester planté là? Tu veux que je fasse quoi? Que je danse? Danser? Non. Que tu rames. Ramer? Mais j'avais pas prévu de ramer. Donc, tu voudrais que je m'occupe de tout? Non. Je voudrais que tu t'occupes de ramer, oui. Et en quel honneur? C'était ton idée de venir ici. Mon idée? Je t'ai toujours dit que je ne croyais pas à l'exercice. Quoi, ramer? Non. Ça, c'est un exercice épatant. Quoi alors? Toute cette expérience de pensée. Excusez-moi, c'est encore long? Quand on s'embarque dans une expérience, on s'attend à tout. Oui, mais on ne s'embarque pas quand c'est le pire qui vous attend. Revenons à cette histoire de ramer. Tu ferais bien de ramer, sinon on n'arrivera jamais. Non, je veux dire, j'aimerais bien que tu me donnes un petit coup de main. Peut-être qu'il pourrait t'aider. J'imagine qu'il a plus intérêt que moi à arriver à bon port. Oui, c'est sans doute vrai, mais pas la peine de lui demander. Pourquoi ça? Parce qu'il ne rame pas. Il ne rame pas? Non, il ne rame pas. Hein, je vois ce que tu veux dire. Pas moi, en tout cas. Nous y sommes. C'est peut-être pas si fort que ça, finalement. Ça va peut-être faire la job. On va essayer de pas murmurer. Tu sais, quand tu cherches des trucs, là, t'es là. Ah, ok, c'est bon. Il ne bouge pas. Il va bouger. Tu vas voir. Tu dois avoir raison. D'après toi, on doit lui dire quand on reviendra? Quelle différence ça ferait? Ça le rassurerait, peut-être. Pour une fois que nous sommes d'accord. Hé hey! Y a quelqu'un qui m'attend ici? Je l'espère vraiment pour vous. Il ne doit pas faire bon se retrouver là tout seul. Bon, il y a peut-être quelqu'un à l'intérieur. J'aime la voix très sensuelle. The Witch, bring us the girl and... Apporte-nous la fille, puis paye ta dette. C'est ta dernière chance. Excusez-moi, je suis Booker The Witch. Je suppose que vous m'attendez. Eh ben, ça a l'air sympa. Donc, j'ai un mort. Oh. Oh my god, on va déjà voler les trucs. Manger votre. Rico en bois.
Progression. Hey, j'ai 1 sur 2 sans achievement. Not bad. Bitch. Dis-moi, il pleuvait dehors. Ok. C'est là de faire être comme tout beau dehors. Y a quelqu'un là-dedans? Eh oh! Et nous, pour l'instant, je sais pas trop qu'est-ce qu'il y a dessus. Ça arrive. On essaye tout. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé ici, voyons? To sign online. To sign. Marc, dans le mur. Mais what the fuck? Merde. Don't disappoint us avec un trou de balle. J'ai 11 pièces. Déjà un gars de mort, c'est cool. The in new Eden soil shall I plant thee? Dans un... Mais attends, cette carte. Ils nous disent pas grand chose, ça c'est sûr. Ah. Je suis censé m'asseoir dans leur drôle de fauteuil. J'ai pas un bon feeling, moi, en tout cas. Bon, et maintenant le... Tenez-vous prêt, Bella. Non. Bien sûr, votre sécurité. Mais qu'est-ce qui se passe, là? Pèlerin. J'aime pas pèlerin. Ça. Non, 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 bordel de merde! Attention. Début de l'ascension dans 5. Non, dans 4, non, 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 non. 2, 1. Non. Ascension. Ascension. Oh, allez, mon cœur. Allez, on reste au cœur. Nous sommes à 5 000 pieds. 10 000 pieds. 15 000 pieds. Ça commence à être haut, hein, pareil. Alléluia. Puis là, t'en retournes un petit crève. Un drôle de drapeau. Father comes to our prophet. En tout cas, il est leur prophète. Oh. Le gars, il prend ça trop personnel. Succès, yay! Why would he send his savior to us? If we not raise a finger for our own son, and thought we deserve not this mercy, he has led us to the new Eden. A last chance for redemption.
Donc je sais vraiment rien sur Bioshock Infinite, à part que c'est un super bon jeu. And the prophet shall lead the people to the new Eden. Bien fait, j'ai même pas la qualité au max des graphiques. C'est quoi qui est écrit là? The World of the Prophet. Bon, donc ça, on a l'air d'être dans une ville dans les airs où est-ce qu'il y a comme un Yador, un genre de prophète qui s'appelle, je me souviens plus trop comment, il était écrit en gros, j'aurais dû m'en souvenir. Puis ça a l'air d'être ça a l'air d'être intense là, comment est-ce qu'il la progéniture du prophète. La prochaine tour du prophète doit être sur le trône. En gros, c'est ce qu'ils disent. C'est le fun pareil, il y a de l'eau partout. Nous on vole tout l'argent. C'est quand même pas correct. Bon, on va aller par là-bas, ça a l'air beau. Ah. Fun, le monde il laisse de l'argent, tu sais, dans leur étui à whatever. Ah, oh, laisse de l'argent là, laisse de l'argent partout. T'sais, c'est pas gros, mais quand même. Pis ici, il y a comme fuck all. Bon, c'était pas pareil s'il fallait qu'on aille. The Lamb, the future of our city. Bon, je pense que c'est quoi. Ah. Excusez-moi, je suis où? Au paradis. Enfin, ceux qui s'en rapprochent le plus avant le jugement dernier. Vaut mieux pas poser de questions. Je veux pas me faire remarquer. Ah, pis on a une genre de Bible aussi. Ils ont même pas pris la peine d'écrire qu'est-ce qu'il y avait dessus. Faut que je trouve un moyen de sortir d'ici. Et de lire. Aimez le prophète, car il aime le pécheur. Aimez le pécheur, car vous êtes le pécheur. Et sans pécheur, quelle place pour le Rédempteur? Sans péché, quelle grâce pour le pardon. Chill pas. De l'eau d'un escalier par contre, pas trop safe. Il doit avoir eu des morts ici. Est-ce qu'il y a des traces de sang? C'est sûr qu'il y a du monde qui ont crevé en glissant ici. Ça doit être crissement traître. Et chaque année, en ce jour de fête et de célébration, nous réaffirmons notre engagement envers notre cité et notre prophète, le père Comstock. Nous nous rengageons par le sacrifice et par l'action de grâce, et en nous plongeant dans... C'est à nouveau! Il vient de la Sodome inférieure qui nous menace! Les nouveaux viennent à Columbia pour être purifiés devant notre prophète, nos fondateurs et notre seigneur! Je voudrais entrer dans la ville. Entrer dans la ville? Mon frère, la seule façon d'entrer à Columbia, c'est de renaître dans les douces eaux du baptême. Acceptes-tu d'être purifié, mon frère? Soit j'accepte, soit j'ai plus qu'à repartir sur ma fusée. Hé! Hey. Je te baptise au nom de notre prophète, au nom de nos fondateurs, au nom de notre Seigneur, au sein de Columbia. Je ne sais pas, frères et sœurs, mais cet homme ne m'a pas l'air bien pur. J'ai déjà envie de le chater. Qui est là? Qui est là? Ramenez la fille, et nous effacerons la dette! Vous voulez quoi? Nous avions un marché, DeWitt! Ouvrez cette porte! Tout de suite! Je vous l'ai dit! Je refuse de le faire! Allez-vous-en! Monsieur DeWitt! Monsieur DeWitt! Genre, what the fuck? Comment savons-nous qu'il s'agit d'une nouvelle Eden?
Pouvons-nous faire confiance à notre propre fierté? Non. Notre fierté en est incapable. Nous le savons. Parce que l'ange Washington. Ce crétin de pasteur ferait bien d'apprendre la différence entre un baptême et une noyade. Je dois trouver un point de repère pour comprendre où je suis tombé. Quand même, Jefferson, Washington, puis Franklin, c'est comme les pères fondateurs des États. Notre prophète emplit nos poumons d'eau pour leur faire apprécier l'air. Ben ouais, c'est ça. Noyer, tu vas voir, c'est un salaud. Toi qui franchis le Delaware avec une épée de feu et des ailes angéliques, protège-moi et donne-moi la force. Éloigne la peur et le doute de mon âme, que je puisse repousser les envahisseurs. Mm-hmm. Modèle de vertu, Washington, prêt à combattre l'ignorance et la tyrannie. Prière. Fais-moi au nom de l'épée, du parchemin et de la clé. Amen. Ce n'existe pas. Il n'est que providence. Tu vois, c'est pas parce qu'une ville s'envole qu'elle est remplie de génies. Enfin, je suis tellement d'accord. J'ai une gamine à trouver, moi. Ah, faut qu'il trouve une fille. C'est déjà un bon début. Oh. Pretty badass. J'ai vu une vidéo de Game Theorist qui disait que théoriquement c'était possible de vivre. Il est ici qu'entre 9h et 11h. Il y a une cascade et plein d'autres choses. Ah, il vient juste de rentrer. Mais je pense qu'on doit pouvoir arranger ça. Bonjour. Bonjour. Un jour parfait pour les festivités. Le père Comstock a dû le prédire et tout organiser. Rappelons-nous le divin pardon de notre chère Madame Comstock, notre sainte mère du pardon. Ah, oh, cette statue. Pour moi, on n'y voit pas le père Comstock et son absolu. Comment dirais-je? Divinité? Si tu le dis. Un scout de la liberté n'aime pas. Il n'est pas question de préférence, mais de devoir. Salton Stoll est pas si mal, moi je dis. Il dit qu'il aime la foi, la famille et la patrie. On peut pas être contre tout ça. Ah, des trains. Ça, c'est bien. Je vais peut-être pouvoir retourner chez nous. N'embauchez jamais d'artistes, mon bon ami. C'est une race caractérielle sur laquelle on peut jamais compter. Je lui ai dit, le parc est incroyablement en retard. Les jardins sont en chantier. Le sanctuaire n'est pas là. La fontaine est remplie d'eau de pluie. Mais bon sang! Personne n'a même pris le temps de planter les soucis. Tout ça aurait dû être fait depuis des mois. Ah ouais? Vous savez ce qui m'a... Mais c'est pas ça, c'est pas la statue qu'on cherchait? Comment ça, juste? Que je ne te reprenne pas à dire ce genre d'ânerie. C'est à se demander si j'élève un imbécile. Hey, on l'a vu le truc. Hey, je l'ai eu. What the fuck? Ah. Sérieux, tout ça pour ça? Bon, mais c'est peut-être pas qu'est-ce que je cherchais. Si la Vox Populi par là. Non, et puis ça veut dire quoi au juste la Vox Populi? C'est du latin, c'est... Du latin. Que serait du latin? Bonjour, citoyen. Vous êtes en forme? Merci. Connard. Shit. Voilà, ça marchait fort, sympa. Désolé, va falloir attendre, comme tout le monde. Mais nous, je peux pas vraiment passer. La Sodome, tu sais.
Le monde d'en bas, ils appellent ça la Sodome. Vraiment horrible comme nom. C'est comme un genre de clin d'œil à sodomie, c'est ça. C'est une très petite de genre de sodomie. Voilà, c'est bon. Pour la tombola. Grande fête et tombola de Columbia. Tombola. Lui réussit. La clé et le parchemin un peu moins, si vous voyez ce que je veux dire. Bonjour. Plutôt chaud, avec un petit vent variable dans l'après-midi. En résumé, une journée magnifique pour la fête. Et maintenant, revenons à la musique. Genre, ça dérange personne que je leur vole les trucs. Que tant mieux. Parce que moi, ça me dérange. Je sais pas si ça te voit là. C'est pas une ville en ruine? Ben, pas encore. Vous allez voir après que j'aille passer par là, là. Il peut rester grand chose. Qu'on me donne une arme! Je vais tous les tuer, les connards! On va aller voir là. Monsieur, voulez-vous une fleur? Nous menons une campagne pour la Ligue Patriotique. Non, ta gueule. Connard. Par contre, là, les maudites musiques, là, c'était bien le fun au début, là, mais là, j'avoue que j'ai juste envie de leur tirer une balle. J'espère qu'on aura le... Genre, on va pouvoir... Tu peux tirer sur qui tu veux. Surtout ceux qui chantent. Pas d'armes encore? Puis les autres, ils dansent. Les pauvres enfants. Ils ont pas compris la vie encore. La vie est pas mal au max. Déjà ça. J'éviterai de parler comme ça. Tu risques d'attirer l'attention. John, ne te transforme pas en extrémiste de Finkton. Je refuse de finir dans ces reportages sur les femmes d'agents de la Vox Populi. T'as raison. C'est dégueulasse. C'est là qu'ils m'ont dit que je la trouverais. Télégramme, monsieur DeWitt. Un télégramme pour vous. DeWitt, stop. Ne vous faites pas remarquer par Comstock. Stop. Quoi que vous fassiez, ne tirez pas le numéro 77. Stop, Lutèce. Qu'est-ce que... Au Monument Island. Une carte. Je vous souhaite une bonne journée. Non, bonjour. Je vous disais qu'un homme veut lancer des éclairs... Comment allez-vous? Le numéro 77. En espérant qu'il soit écrit numéro 77 dans un gros. Animal d'une tonne dans les airs. Allez voir. Me croiriez-vous? Eh bien, mes amis, je viens vous le dire. Vous voulez bien me laisser passer, dites? Ah, désolé, la rue est barrée. Ils préparent les feux d'artifice pour ce soir là-bas. Il y a assez d'explosifs là-bas pour faire sauter tout Pékin. Une fois de plus. Un barrage. Je vais devoir trouver un autre chemin. Exclusivité par monsieur Jeremiah Fink. Qui parmi vous s'est déjà frotté au divin don des toniques? Une gorgée et vous ferez de véritables prouesses du bout des doigts. Vous savez que notre prophète est juste, qu'il est bon et qu'il a demandé des paix personnellement à monsieur Jeremiah Fink de partager ses merveilles avec vous. Loué soit notre... Ce sont les jeunes qui ont l'idée de se balader sur l'aérotrame, tu sais. L'aérotrame de Columbia. Et ces petits malins, ils n'avaient même pas vraiment d'idée. Avant que Fink... La Vox Populi sème le trouble dans nos rues. Qui va les arrêter? C'est Fastien. Mais je ne sais pas faire la différence. Il est fort. C'est l'incroyable Andyman. Agressif. Cher ami, avez-vous déjà perdu de l'argent dans... Désolé, l'ami, ce n'est pas possible. Tous les billets sont vendus. Vous connectez à votre moitié. Je vais en prendre un. Un simple murmure. Ils sont à vous. C'est quoi ça? Genre, what the fuck? Je peux cliquer, je peux checker, j'ai juste comme acheté. Qu'est-ce que c'était que ça? Appuyez sur une machine pour en prendre possession. Ok.
4 parfums ? Tant que ça. Salut, marin. Vous arrivez de quel port ? Un port dans la tempête. Vous voyez ça ? Tu as déjà vu un spectacle pareil ? Il a fallu tout le talent de Columbia pour créer une merveille pareille ! Et voilà notre bon député Buford. On vous attend à la tombola. Pile ou face? Allez, laissez-moi passer. Pile ou face? Pile. Je te l'avais dit. Je trouve ça toujours décevant, en définitive. Courage, on verra la prochaine fois. Tu as sans doute raison. Kit de soins. La compétition, c'est bon pour ceux qui ne croient pas. D'où tu sors ce truc? Ce petit bijou? Tous les gars de la division en ont un. Si on veut réussir à débarrasser. Madame Lutèce, j'ai lu tous vos livres sur les sciences. Maman me dit que ce n'est pas le genre de loisir auquel doit s'adonner une jeune femme, mais je pense qu'elle est simplement jalouse de notre intelligence. Qu'est-ce que... Est-il vrai que vous êtes la seule personne autorisée à rendre visite à l'enfant dans la tour ? Si la pauvre petite se sent délaissée, je me propose de la rencontrer. Nous avons tant de choses en commun. Mes sincères salutations, Constance. Mais moi, si je comprends bien, t'écris genre... en gros, Satan, il y a AD, puis nous autres, on a AD, c'est ça? Donc pas trop vite, je sens que c'est bonjour. Tu dis ça chaque année. Now me and my wife. Déclare la tombola de 1912 officiellement ouverte. Monsieur, désolé, pas d'argent. Mais non, la tombola est gratuite, Nigo. Vous vivez au fond d'une grotte, ma parole. 77. 77? Ça porte bonheur. J'espère que vous allez gagner. Ne frappez pas la 77. Le bol. Ne frappez pas la 77. N'est-ce pas la plus jolie jeune fille blanche de tout Columbia? Bon, et maintenant, le vainqueur est le numéro 77. Eh ben, quelle surprise. Numéro 77. Votre prix vous attend. La première balle. Pitié! Pitié, ne fais pas ça! C'était mon idée, pitié! Non! Pitié, qu'est-ce que vous faites? Alors, pitié. Vous la lancez? Ou vous aussi, vous buvez votre café bien noir? C'est moi, pitié! C'est moi que vous voulez! Ah, mais c'est qu'on a un petit timide! J'ai un gros mot pour toi, le vieux salopard! Attendez! La voilà! Alors c'est quoi cette marque de riz? Vous ne savez pas que ça vous désigne comme ce sale traître de faux berger? Et on ne veut pas voir de faux berger dans notre troupeau. Montrez-lui ce qu'on a prévu. Allez! Non, 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 non. Mais genre, what the fuck? Arrêtez-le! Le faux berger, il est dans le radio. Allez, vite. Allez, 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 on se dépêche. Coupez le passage. Allez, salopard de la boxe. Il est le temps que je le chope. Allez, salopard de la boxe. Il est le temps que je le chope. Tirez sur moi. Bon.
J'aille où, moi? Alors là-bas? Je vous l'ai dit, Comstock. Vous leur vendez le paradis et ils s'attendent à voir des angelots pour chaque tâche accomplie. Il n'y a pas de serviteurs dans le royaume de Dieu. Enfin, je connais quelqu'un en Géorgie qui peut nous fournir autant de prisonniers noirs que ce qu'on pourra accueillir. Vous n'aurez qu'à dire que ce sont des simples d'esprit qui cherchent la pénitence pour avoir voulu sortir du rang. Mais l'agent de Tourelle... Ah, c'est vrai, je peux en prendre possession. Qu'est-ce qui s'est passé? Forcez-le à sortir à découvert! Allez, approchez. Je pose aller où, moi? Attends. Ça ici, mais ça je peux pas aller là. Il a nulle part où aller. Le voilà. Ne le lâchez pas. Passez-moi un chargeur. Vous le voyez? Ne le lâchez pas. Pas de visa. Ça fait chier par là. Empêchez d'aller plus loin. Votre sécurité, nos produits sont testés sur des prisonniers. Mes chargeurs sont vides! Jetez l'éponge! Non! Ok, j'ai plus de ma main. La merde, non? Je pars de l'argent, je pense, je crève. Revenez me voir quand vous aurez de quoi payer, l'ami. Ça commence à chauffer. Qu'est-ce qui se passe? Brûlez au nom du prophète! Génial. Le lama! Baiser du diable. Pourquoi pas? On n'a qu'une vie après tout. Explosive trap.
Je m'attendais pas à ça. Oh, ok, tu peux prendre différents pouvoirs là en ce moment, ça sert à lui de... Allez au diable! Ok, quitter la zone. Oh shit, non, ça fait un masque pour un premier épisode, 36 minutes. Donc voilà, pour aujourd'hui, ça va être assez. Plus de la misère avec la vie. Peut-être faire le tour. Ok, donc voilà, je vous dis à la prochaine, les gens. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, c'est quand même chill. Déjà, assez quand même. Mission pleine, cristaux 100%. Allez, donc voilà, à plus.